héros légendaires, rassemblent les émissaires d'une force salutaire. Ils deviennent missionnaires tout autour de la terre, vont défaire la misère en guerre contre les galères et même contre l'enfer. Qu'ils se nomment Emmanuel, Pierre ou Teresa, leur chemin de croix se perpétuera, leur aura restera et se diffusera. Sarah Yugata suit déjà cette voie chaque jour. Le athlète amour, ce sont les prophètes que personne n'arrête dans leur quête de la planète. Et chaque jour, athlète amour conquête la misère, que ce soit ma guerre avec Dr Schweitzer ou partout sur la terre. Héros légendaire, sincère et volontaire, jamais ne désespère, parfois même en colère. Ils ont du caractère et toujours persévèrent dans l'humanitaire, sans point de vue pécuniaire. Pourquoi la vanité et la vénalité, créer ces chiffonniers et ces désespérés? Serait-ce la fatalité pour ces condamnés? Notre entité n'a-t-elle plus de dignité? Chaque jour, Dieu a cet amour. Ce sont les prophètes que personne n'arrête dans leur quête de la planète. Et chaque jour, est amour. Conquête de la misère, que ce soit au Caire avec Bernard Kouchner ou partout sur la terre. Prédestinés, qu'ils soient sœurs ou abbés, et bien sûr les athées qui veulent continuer ce chemin tracé par ces saintetés, sauve la moralité de cette humanité, et que ces chiffonniers deviennent des insurgés, aidés, encouragés par leurs protégés, pour émerger enfin de ces atrocités, libérer leur lignée de ces disparités. Chaque jour, Dieu a cet amour. Ce sont les prophètes que personne n'arrête dans leur quête de la planète. Et chaque jour est amour. Au resto du cœur, conquête de la misère, Coluche et ses confrères, jamais démissionnaires.